Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 33e épisode de Let's Play sur Shenzhen.io. Alors, nous voici donc au dernier projet important, le gros projet. Nous y voici, le job que je pensais, auquel je pensais arriver, arrive enfin. Et il vient spécifiquement à nous à partir depuis Sun Aoshian lui-même. Ils l'ont appelé le badge de traçage de sécurité, de réseau de sécurité, quelque chose dans le genre. En regardant les spécifications, il semble qu'il y a de multiples fonctions incluant un rapport de lieu du porteur dans de multiples secteurs. Il y a une carte incluse que j'ai mis sur votre bureau. Et fournissant une communication monodirectionnelle. Je ne pense pas que je peux exprimer à quel point ce travail est important. Mes contacts ne me disent pas seulement, enfin, ne me donnent pas juste des indices qu'ils en veulent des centaines de milliers de ça, mais ils les veulent aussi très rapidement. Évidemment, ils vont essayer de prendre tous les paquets, donc les produits finis de leur gros projet très rapidement. Très vite. Alors traitez ceci comme le point culminant de tout notre travail jusqu'à présent, tout ce à quoi nous avons travaillé jusqu'à présent comme compagnie, comme entreprise. Maintenant, il est l'heure de s'exécuter. Eh bien, on y va. Hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Radar Sync qui est ici est une simple entrée indiquant le current heading, enfin, l'entête courante du radar de traçage central. Radar Ping est une simple entrée indiquant la distance actuelle à partir du radar de traçage central, si c'est en train de pointer dans la direction de l'utilisateur. Radio RX est une entrée non bloquante Xbus connectée à un récepteur radio. Radio TX est une sortie Xbus connectée à un transmetteur radio. Speaker est une simple sortie connectée à un haut-parleur audio en auto-amplifié miniature. Mais c'est tout dans les entrées, on est encore ici. Lorsque un paquet de données est reçu et commence avec une valeur de 1, la donnée subséquente, donc la donnée qui suit, doit être traité comme une donnée audio à longueur préfixée et jouée dans les haut-parleurs. Lorsqu'un paquet de données est reçu qui commence avec une valeur de 2 et spécifie le numéro d'identifiant du badge, le badge doit répondre avec le secteur courant. Localisation de l'utilisateur peut être déterminée lorsqu'un radar ping, donc un ping radar, hein, envoie une pulsation et est détecté en corrélation avec l'entête courante et la distance depuis le radar de traçage central avec la carte du secteur qui peut être trouvée en figure 7G dans les données supplémentaires du manuel. Ok, on va aller voir le manuel déjà. Un radar. Voilà. Merde, non. Secteur.
Voilà. Ah, oui. Tous les radars. En gros. Radar ping. Bon, de temps en temps, il y a un ping radar. Et donc, ça nous dit dans quelle zone on est. Donc, par exemple, il y a un radar ping ici de valeur 53. Le ping à 50, c'est dans le cercle extérieur. Non, c'est ping inférieur à 50. Donc on est plutôt dans le ping dans le cercle secteur machin. Donc ça dépendra de... Ah bah on a le symbole ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y en a peut-être encore. Je vais peut-être pas tous les faire non plus. Hein. Il y a un moment... pas mal de données, oui, on n'a pas tout. En fait, on sait pas le ping 80, le ping 50, pour la distance, on les a pas. Mais les secteurs, on les a. Mais pourquoi ici, c'est du 700 alors que c'est du 202 pour là? Ou alors c'est du 700 pour... Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. C'est 700 tout le tour, sauf là où c'est du 600. Et là, c'est 600, 200, 201, 202, 203, 204. D'accord. Soit. Donc. Lorsqu'il y a un ping. -999.
mais ça va pas le faire parce que hop, donc on va d'abord me déplacer 0 dans ACC. Et puis ici, si ACC est égal à moins 999, alors on les fait dormir. Voilà. Et je sens que je vais pas avoir assez de place et qu'il faudra que je prenne une plus grande puce. Là, j'ai encore faire 6 c'est égal à 1 et 6 c'est égal à 2, donc j'ai pas le choix. Bah non, tout simplement non, j'ai rien dit. Alors on met x0 dans CC. Ensuite on fait test si c'est égal. En fait, il n'y a que 1 ou 2, donc je ne dois même pas mettre dans ACC. Voilà. Donc, je vais faire un test compare. Je vais faire un test compare. Ah oui, non, mais c'est du non bloquant, donc non, j'aurais quand même besoin. Alors, on est parti, on va enlever ça. Donc, on attend quelque chose sur x0. Puis on va comparer. Non, puis on va mettre x0 dans ACC. Puis. Comme ça, et là on est x3, x2. Quelque chose en jour. Donc, test equal. ACC est égal à 2. Si oui, on envoie x0 sur, pour l'instant on va dire x2. Et puis c'est tout. Si c'est tout, on va quand même faire un slip. Voilà. Alors, si ACC est égal à 1, c'est égal à moins 999, on fait juste un jump slip. Donc là on sait que c'est ni 999 ni 2, donc il n'y a plus que le 1, et donc là on va faire un loop. La longueur est prédéfinie. La longueur est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Le haut-parleur, on va le mettre sur x2, ce sera plus simple. Merde, non, on peut pas. Il faut d'abord que je passe par un. Bon, pas par P1. Alors,
ici. Ça va être ah oui mince, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 moins 1 parce que le 1 n'est pas compté. Le 12, c'est le nombre de valeurs. D'accord. Donc, c'est pas move 0, c'est move hit 0, ACC. Et le loop, ça va être un move. Bref, en gros, je vais avoir une puce ici qui va faire le passe-passe. Alors, de quoi j'ai besoin lorsqu'un paquet avec un 2 et spécifie l'ID du badge. Donc avec l'ID qui est ici, le badge doit répondre avec son secteur actuel. Bon, de toute façon, il y a une transmission aussi à faire. La calculer ici avec le ping et le radar sync. Donc j'ai besoin comme ça et ici ça va être relié là par exemple. Alors ici ça nous dit quoi? À chaque seconde. Pas de ping, donc 202. Pourquoi? Parce que on est en valeur 80. Non, on est en valeur 60 quand il y a eu le ping. On est en valeur 60 quand il y a eu le ping. Donc c'est entre 50 et 80. Donc c'est ici. C'est là-dedans. La valeur 67 exactement quand il est ping, donc on est à 67 de distance, on est là, donc on est dans le cercle du milieu.
pas le cercle du centre, hein, mais bon, on va dire le cercle 0, le cercle 1, 2, 3, on est dans le cercle 2, ok. Mais ensuite, pourquoi ah oui, par rapport au sync, est ici 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ok. Donc, comment je vais... Alors, le ping nous donne quoi comme info ? La distance et le sync à ce moment-là nous donne le secteur. Donc le secteur, la découpe en 6 quartiers. Donc je vais mettre un plus petit. En fait, pas ça va pas changer grand chose, c'est juste que voilà. Alors si jamais c'est quoi, c'est P0 est égal à 0. Si P0 est égal à 0, eh bien, il va juste faire un petit dodo. Alors, quand... que je ne dise pas de bêtises. Donc, quand c'est autre chose que 0... Pour le ping, alors il faut sauvegarder la valeur du ping et sauvegarder le secteur, donc la portion du cercle où il est 0, 10, 20, 30, 40, 50, non, 0, 20, 40, 60, 60, 80, pardon, et 100. D'abord mettre le...
Bon, d'abord le secteur et puis le ping en fait, hein. Donc le secteur c'est radar sync, donc c'est P1, X2 et puis move P0, X2. Et puis il dort, hein, tout simplement. Et dans ces cas-là, je peux peut-être essayer de le mettre dans une petite puce quand même. Et voilà, et alors ce sera du X0 et du X1, mais... de faire un petit traitement dessus. Donc
ici on va le lire. Le A se trouve en bas. Donc sur le X1, ok. Donc la lecture, ce sera que je dise pas de bêtises. Move X1 0x1 plutôt 0 sur X1 pour remettre le pointeur à 0. Puis ce sera move X0 sur ACC et puis move X0 sur date. Alors, maintenant il me faut la logique de savoir trouver le ping correspondant. Si le ping est à plus de 80, de plus ou plus grand ou égal à 80, donc si le ping qui est 53, donc ça va être la deuxième donnée, il me semble, hein, le ping sur P0, donc c'est la deuxième donnée. Si date, c'est pas un égal, mais si c'est plus grand que date, non. Si date est plus petit ou égal à 80, si ce n'est pas le cas, alors on est à 100. Mettre 100 dans ACC. On a ensuite, si jamais c'est plus grand que 50, non, plus petit ou égal à 50, oui, donc si c'est plus grand que 50, le cas, si donc si c'est attendez que je dise pas de bêtises, hein. Si date est plus grand que 50, donc si c'est pas le cas, c'est plus petit ou égal, on arrive dans l'anneau extérieur. Ouais, je dois faire l'inverse, je mets date ici et ACC ici, et ACC ici, ACC là, si c'est pas le cas ici. Donc parce que là on a déjà prévu le cas, c'est plus grand que 80. Donc avec ces deux lignes là, c'est plus grand que 80. Donc maintenant, si c'est plus grand que 80, on s'en fout. Et donc ça peut être 100, il n'y a pas de problème. Si ACC est plus grand que 50, si c'est pas plus grand que 50 plutôt, alors c'est 700. C'est 700, mais attention. Attendez, hein, parce que là je... Donc c'est 700, sauf si il est à 0 au niveau date. Donc
ACC à 700. Ouais, 700 ACC. Si date est égale à 0, move 600 ACC. Voilà, donc là j'ai fait ACC est plus grand que 80, c'est 100. Si jamais ACC... non, si jamais date est égale à 0, non, c'est un equal. Si date est égale à 0, alors... Donc ça c'est les deux cas les plus simples en fait, hein, voilà. Et maintenant c'est soit 700, soit 201, 200, 201, 202, 203, 204. Attendez hein, que je réfléchisse un peu. On est déjà à 40 minutes. Il est normalement pas si compliqué que ça, mais c'est toujours le problème de place hein, qui va déranger.
je veux savoir si je suis dans le cas 100, 600 ou 700. Et donc ça doit être fait par le... Par le ping. Donc lui il va gérer le ping. Et le prochain il va gérer le sync. Si jamais le ping n'est pas suffisant. Donc en gros ici. Je reçois une donnée, donc j'attends X2. Pour démarrer, j'attends quelque chose qui arrive de X2. Dès que j'ai quelque chose qui vient de X2, dès que j'ai un signal qui vient de X2, je peux le consommer en l'envoyant sur X1. Ça, je vois le signal ici. Puis j'attends. J'attends la donnée qui va revenir de X1. Donc move X1 ACC. Qu'est-ce qu'on a? On a si X1 plus petit que 100, moins. Donc, ACC. Si ACC n'est pas plus petit que 100, alors c'est que c'est de la donnée brute. Et on envoie la donnée. Donc ici, ça va être un. Ça va être le send qui est ici. Voilà. Donc là, on sait qu'on ne sera pas dans les 100, 600 ou 700. Et donc, il nous faudra encore... Donc, move X1... Oh, ACC, hein, c'est bien aussi. Puisque là, on n'a plus besoin que de... du ping. On a mis dans ACC, quoique non, on peut mettre en date en fait. Et selon la valeur de date, j'ai envie d'une dinguerie, mais j'ai peur que ça ne passe pas. Donc ici, déjà, c'est X3. Bon, déjà, ici, on va donc le refaire. On récupère les deux données. Si ACC est égal et plus grand que 80, plus grand ou égal à 80, on met 100. Attendez, hein. Je vais être sûr et certain. Donc, c'est d'abord le ping pour la distance. Le ping est sur P0. Si je mets P0 en premier... Voilà, donc ici il va d'abord récupérer P0, tu le mets dans. Mince. Tu le mets dans date. Si date est égal est plus petit que. Non, si date n'est pas plus petit que 80. On va y arriver, hein, il faudra un deuxième épisode, mais si date est plus petit, n'est pas plus petit que 80, donc il est plus grand que 80.
Donc on est dans le sang, dans le cercle intérieur. N'est pas plus grand que 50, tu mets 700. Dans un CC. Donc là, c'est le cas, le cercle ici et même ici au-dessus. La deuxième donnée, la mettre dans date. Date est égale à 700 et que non pas date ACC est égale à 700 allez et que date est égale à 0 alors ACC est égale à 600 et puis on envoie la donnée. Donc ici il manque un SLX X3 et il n'y a pas de slip. Voilà. Donc on attend qu'il y a une donnée qui arrive et on la consomme bien entendu. Et ça va être move X3 sur X1. Ce sera 0 qui sera envoyé de toute façon. Donc il va se remettre à 0 et puis blablabla. Donc move 600 ACC. Voilà. Donc voilà. Ouais, j'ai même pas besoin de 700 en fait. Hein. C'est juste, si date est égale à 0, alors tu mets 600 dans un CC. Et tu envoies là-bas. On est donc ici. On récupère et on le met dans un CC. Attendez. Non, 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 non. Si ACC est ACC est plus petit que 100, strictement plus petit que 100, tu fais un move date, sinon X3, sinon tu fais un move ACC X3. Mince. ACC, voilà. Ça me paraît bien. Donc là, il nous manque que les valeurs ici 200, 201, 202, 203, 204. ACC est plus petit que 100.
c'est que le sync ne sera pas à zéro. Ça nous enlève déjà une épine du pied. Et 20, ça fait 0. 40, ça fait 1. 60, ça fait 2. Mais on n'a pas de division dans le... que je vais commencer à devoir improviser un peu, et l'improvisation ça va être ici comme ça, et on récupère x1, on met x1 dans date. Si date est égale à 20, alors on met 200 dans un CC et on va le faire 5 fois hein. Donc 20, 40 pour 201, 60 pour 102, 80 pour 203 et 100 pour 204 et enfin on envoie CC sur X. Très bien, donc ici on a notre là qui a calculé déjà pour les trois. Voilà, on a récupéré une donnée, on a vérifié est-ce que c'est plus petit que 100. Si c'est pas le cas, c'est bon. Sinon, eh bien on va faire un move ACCX3 et puis on va faire un move ACC et puis on envoie, et ça me paraît bien. Allez, ça tiendra pas dans une puce non. Et on a X2 ici qui va servir de point de... Je vais devoir mettre encore une autre puce qui va aller vers le speaker. Et je pense que c'est cette puce qui va... Voilà. Bon, on va regarder ça dans le prochain épisode. On a presque fini, je pense. S'arrêter là et on va regarder ça dans le prochain épisode. Ce sera le plus simple. On va pas commencer quelque chose de nouveau pour les maximum 5 minutes qui nous restent. Donc, eh bien, on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye.